Fuzziness Networking TV. Le comité d'African Lion Award en visite officielle dans la commune rurale de Diogar dans le cadre du business networking. Je m'appelle Daoula Kana, je suis le maire de la commune de Diogar. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans la commune. Bientôt, commune urbaine. Donc, Diogar, c'est une ville qui est dans la région de Kulukuru, sacré de Kati. La distance de Diogar Bamako, c'est 37 km. Et de Dikati, c'est 15 kilos. Je suis élu 2009, réélu en 2016 encore. Diogar, c'est une ville, bientôt une commune urbaine du Mali. La superficie fait 182 km². La commune rurale de Diogar se trouve dans la région de Kulukoro, cercle de Kati, à 37 km de Bamako, la capitale du Mali. Le maire Daouda Kané est un homme très assidu et très engagé dans le développement de sa commune. Ardu à la tâche, le maire met tout en œuvre pour le développement socio-économique de sa commune. Il est décidé à attirer les investisseurs étrangers comme nationaux pour transformer sa commune rurale en commune urbaine. Il a toujours souhaité élargir ses réflexions sur les démarches partenariales novatrices au champ de l'insertion socio-professionnelle des jeunes de sa commune, lutter ainsi contre l'immigration irrégulière. Diogar est une commune agricole avec d'énormes potentialités d'investissement. Avec une jeunesse déterminée et des femmes courageuses dévouées à la tâche, menant de multiples activités génératrices de revenus, Diogar est une aubaine pour tout investisseur qui a du flair. Dans cette commune, la femme est le socle de l'économie. Maraîchage, petit commerce de fruits et légumes et bien d'autres. Elles sont sur tous les fronts pour éviter à leurs enfants un départ incertain sous d'autres cieux. Plusieurs secteurs offrent des possibilités d'investissement. Hydraulique, agriculture, transformation de produits agricoles, de fruits et de légumes, l'élevage et bien d'autres. Le développement d'une commune rurale a besoin de vrais investissements. C'est pourquoi le maire Daouda Kané a salué la construction de 2 usines de cimenterie et de 2 carrières. Le maire de Diogar confirme que la construction des usines s'inscrit en ligne droite avec la politique de l'État à lutter contre le chômage des jeunes, car cela permet de créer plusieurs emplois directs et indirects. Le tronçon Bamako-Diogar est bien desservi en transport en commun et l'état de la route est très bon. Il n'y a aucune raison de ne pas y investir. La commune offre toutes les facilités administratives pour installer votre business. Nous sommes en pleine saison de dégustation de la mangue, de la vraie mangue, de la bonne mangue, de la mangue made in Mali. On trouve des mangues presque partout à Bamako en provenance de toutes les régions du Mali et de Diogar. Dans cette commune,
l'élevage est un pilier très important. Dans les pâturages, dans les champs, on y rencontre les bergers et leur destin. De vrais entrepreneurs amoureux des animaux qui, malgré la chaleur quasi mortelle, en prennent soin. Ils méritent toute la considération et le respect. Venez à la rencontre du peuple malien, un peuple très accueillant, un peuple plein d'espérance. Aïwa, avec Dieu, on est jarané. On va faire au bismillah. Oui, j'ai triaré. Malik, qu'on a béni, d'une nana, il va faire au bismillah. Bon, avec Dieu, comme nous, qu'on a béni, ne va au bismillah. Au nom de nana, tu mets à la casse, on a au bénin. Merci, merci. Au bismillah, au bismillah.